problème parce que si on affiche, si on fait des étagères là, on a, ouais, si ouais, on affiche des trucs, tout à fait, tout à fait. Si on peut arriver comme ça, tac tac. Ah non non, mais vous arrivez à ce moment, vous faites le trou ici, hein. Le câble et voilà. Direct. Donc, il faut qu'on fasse deux passages de câble. D'accord. Ok. Voilà, tout est bon. Ouais. Mais de ce côté, on est toujours à l'intérieur quand même de la serre, hein. Oui, oui, oui. De ce côté, oui. Ici, oui, là, tu vois. Bon, quand... Oui, parce qu'on va sortir. C'est un casier judiciaire qu'ils ont, c'est une bibliothèque. Et il vous faut une caméra pour bosser, les gars. Je ne les ai jamais vus bosser comme ça. En une année, les travaux ont sacrément avancé. Il y a un an, la moitié du refuge était réalisée, il manquait la quarantaine. Aujourd'hui, plus de la moitié de la quarantaine est terminée. Là, on est dans la phase qui concerne la création du centre de la quarantaine des tortues aquatiques. Qu'est-ce que c'est? Quand on nous amène les tortues, on est obligé de les placer dans un endroit, le temps que des vétérinaires viennent les vermifuger, les pucer. Je vous rappelle que toutes les tortues du refuge sont pucées, ont une puce avec un numéro qui permet de les identifier. Donc les animaux qui sont accueillis sont placés avant, en attente de la visite des services vétérinaires. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de construire une serre de 80 mètres carrés, une serre froide, qui permettra aux tortues de passer leur premier hiver à l'abri du gel avant d'intégrer des infrastructures qui leur seront définitives, des grands bassins végétalisés, etc. Nous, on a des idées ici au refuge des tortues et on a surtout l'envie de réaliser un rêve et d'aller jusqu'au bout d'une manière collective. Donc au final, on s'est tous pris en main et on a essayé sans argent de réaliser un pari fou qui est de construire un centre d'accueil. Ça nécessite en principe plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais autour de ce projet, autour de ce concept qui au départ semblait poétique, on a rassemblé plein de partenaires, plein de gens qui ont été sensibles à notre message et qui, de par leur soutien, ont fait que ce refuge a vu le jour petit à petit. C'est avec beaucoup de débrouilles, beaucoup de récupération. Et c'est ça qui est bien parce qu'on est en plein recyclage, on est en plein dans notre concept de centre d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'environnement et de la nature. Éduquer les gens, sensibiliser les gens, leur faire prendre conscience qu'on fait partie de cet environnement qu'on maltraite, qu'on n'est pas un élément à part, qu'on fait partie intégrante et qu'il est important de prendre conscience de tout ça. Et les adultes, s'ils ne l'ont pas en tête, c'est compliqué, mais c'est surtout les enfants qu'il faut éduquer. Et ce centre, qui en fait au départ est un centre d'accueil pour tortues terrestres et aquatiques, va jouer ce rôle pour sensibiliser, pour aborder des problématiques transversales, plus globales. On va parler avant tout de notre avenir, bien plus que celui des tortues.